avec moi faire une petite randonnée. Je me suis déterre à marcher. En ce moment, j'adore marcher, donc je me suis dit, allez, je fais une petite randonnée à Fontainebleau, donc dans la forêt de Fontainebleau, dans le 77, à 1 heure à peu près de Paris. Franchement, c'est super beau là-bas. J'ai l'habitude d'aller faire des randonnées, d'escalader des rochers parce que c'est génial. En plus, il fait super beau aujourd'hui, mais pas trop chaud, donc je pense que c'est un temps parfait pour marcher. Je vais aller me préparer et puis après, direction Fontainebleau. Il me faut des chaussettes et j'en ai plus, du coup je vais aller en piquer à mes petits frères. Oui, parce que on fait la même pointure. Let's go! Bon, et bien, c'est parti! Je suis à peu près une demi-heure de Fontainebleau, du coup, bah, je vais conduire jusqu'à là-bas. Et une fois que je serai là-bas, bah, on va commencer la randonnée. J'ai pensé à prendre bien évidemment de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'il va faire chaud. Donc, c'est très important de s'hydrater. Et j'ai pris mes sandwichs pour manger quand même, parce que c'est important de manger pendant une randonnée pour prendre de la force. Oh, il fait super chaud. Fouh, il fait très chaud dans ce pays. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Allez, let's go. Eh bien, écoutez les gars, je viens d'arriver au point pour commencer la petite randonnée. Je vous mettrai du coup où est-ce que c'est le départ, si jamais vous voulez la réaliser également. Et puis bah on va commencer puisque bah il y a quelques heures devant nous qui nous attendent. Du coup bah let's go. Vous savez ce que j'ai oublié? Un anti-moustique. Je pense que je vais me faire totalement bouffer par les moustiques. Oh, je vais arriver à la fin de la journée, ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Hein. Alors comment j'ai eu cette déterre de venir marcher comme ça? Je sais pas trop, moi je fais vraiment les choses spontanément. Hier je me suis trop déterre à faire une randonnée. Aujourd'hui je faisais rien, donc je me suis dit bah écoutez, vas-y Anaïs, lance-toi, va faire une petite randonnée. Alors au début je voulais faire une randonnée de 7h, de 6h45 plus précisément. Mais je me suis dit, on va commencer tranquille. Bon, même si je pense que ça peut le faire, est-ce que j'ai la déterre de faire 7h? Peut-être pas, du coup je me suis dit ok bon, je vais enlever 2 heures, je vais déjà faire 5 heures, c'est déjà pas mal je pense. Après marcher, moi j'adore, c'est trop bien de marcher, j'adore ça. À chaque fois j'ai un petit objectif quotidien, c'est de faire au moins 10 000 pas par jour avec la petite application santé d'iPhone. Du coup j'essaie toujours de faire au minimum 10 000 pas et des fois je les fais pas et genre je suis hyper frustrée. Au moins là, ma randonnée de 5 heures, elle va rattraper tous les jours où j'ai pas fait mes 10 000 pas. En plus faut savoir, j'ai appris récemment que 10 000 pas sur l'application iPhone, donc santé, donc 10 000 pas ça équivaut à 1 heure de sport modéré. Faut pas négliger la marche, vraiment la marche c'est trop important. Alors attendez, parce que là je sais pas, il faut que j'aille où. Faut que je regarde sur mon GPS. Parce qu'en fait j'ai téléchargé une application, là c'est à gauche. Faut que j'ai téléchargé une application et en fait j'ai tout mon chemin là-dessus. C'est cool hein. Et du coup je sais où aller. Et heureusement parce que bah quand même la forêt est quand même assez grande de Fontainebleau. Du coup c'est quand même bien de savoir où on va. En plus ce que j'adore ici, c'est qu'en fait on marche. Ah, ma caméra m'a perdu. Ah c'est bon. Ce que j'adore c'est qu'on marche et qu'en fait c'est pas tout lisse. C'est que c'est de la forêt, c'est qu'on peut se retrouver face à un rocher, on peut se retrouver face à des chemins trop bizarres, à monter des pentes comme ça, à descendre des pentes comme ça. Et puis c'est la nature quoi, enfin qui ne kiffe pas la nature, c'est incroyable. Bon, j'avoue, ça ne change pas énormément de chez moi parce que moi j'habite vraiment dans la campagne. Mais pour les Parisiens où c'est à 1 heure de Paris, faire un petit rando à Fontainebleau, hop, bah je trouve que ça dépaysage. Je trouve que ça dépayse. Ça dépayse. Je suis dépaysée. Ça dépayse. Alors sur le parcours, ils annoncent normalement 4h40 de marche. Mais si je marche assez vite, peut-être que je peux les faire en 4 heures. Non, c'est peut-être un peu trop optimiste. Mais je me dis que je peux quand même gratter 10-15 minutes.
et donc finir à 4h30 de marche au lieu de 4h40. Toujours ça de gagner et le parcours sera fini. Alors là, je me retrouve face à deux endroits. Vous pensez, faut que j'aille où ? À gauche ou à droite ? Bah moi, je dirais à gauche. Et c'est la bonne réponse ! Punaise ! Ah non ! C'était à droite. J'ai 12 points à faire et là, j'arrive au deuxième. En combien de temps ? En pas longtemps en plus, je crois. Allez, j'arrive au deuxième en à peu près 20 minutes. Troisième point, validé. Je suis arrivée au point 4. J'ai fait ça en 1h15 du coup. Énormément de moucherons. Qui me viennent sur le visage pendant tout le trajet. J'ai que des moucherons qui viennent sur le visage. Je suis arrivée au cinquième point. Et d'ailleurs, c'est ici qu'il faut que je tourne. C'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte. À quel point, genre, c'est immense. Bonjour. C'est hyper beau. Hyper joli. Dites-vous qu'il fait 27 degrés actuellement, mais il n'y a que des nuages, il n'y a pas de soleil et il y a du vent. Franchement, c'est agréable. Je suis arrivée au sixième point. Logiquement, je suis censée être à la moitié, mais en fait, j'ai regardé sur mon truc, je suis au sixième point, donc du coup, il y en a 12. Mais en fait, je suis à 6,4 km sur 15, donc en fait, je suis pas encore à la moitié. Peut-être que quand j'arriverai au septième point, je serai officiellement à la moitié. Et ben les gars, j'ai atteint le septième point et je vous avoue que je suis un peu fatiguée là. Donc je vais faire une pause. Et je vais manger pour reprendre de la force parce qu'il me reste du coup un peu moins que la moitié à faire. Il faut que je finisse en forme quand même, debout, ça serait le mieux. Je me suis posée à un endroit, c'est magnifique. Oh, lookez-moi ça, c'est genre... J'ai vu sur toute la forêt là, de haut, c'est magnifique. Enfin, qu'est-ce qu'on est bien ici. Je ferais bien une petite sieste. Hein. On est trop bien les gars. Genre je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on est bien. Mais là on est vraiment cool. Je pourrais rester ici à dormir. J'adore ça. Je me fais attaquer. Je me suis pris des ça là. Bon moi je vous laisse. Je vais faire une petite sieste. Je rigole, bien évidemment. Bon, les amis, je suis repartie. Et je vous avoue que cette pause m'a énormément fait du bien parce que je commence à avoir mal aux jambes et là j'ai l'impression que c'est reparti. Waouh. Bon les gars, je suis arrivée au 8ème point. Bah en fait c'est passé assez rapidement. Alors je sais pas si c'est parce que c'est juste après la pause déj ou parce que mes jambes elles sont revenues genre toutes neuves, mais tout va très bien donc continuons sur cette lancée.
On se ferait pas un petit kiff? Allez. Quand on n'a pas de poche, les soutiens-gorge servent. On est arrivé, je suis arrivée au point 9 et franchement, la vue est incroyable les gars. Je suis en train de me dire qu'il me reste que 3 points, le 10, le 11 et le 12. Et je vous avoue que je sais pas pourquoi, mais je suis un peu nostalgique parce que je me dis que c'est bientôt fini. Je suis à couper le souffle. Je suis arrivée au numéro 10. On continue, toujours des terres et on va le finir ce parcours. Ouais, on va le finir. Là, il me reste que 3,7 km. J'en reviens pas que j'arrive déjà à la fin et que j'ai pas envie. Bon, je viens d'arriver au sentier 11. Il était assez long. Mince, je sais pas où aller. Hop, GPS, là. En fait, il y a tellement de chemins à droite à gauche. Combien de fois je me suis perdue? Je continuais tout droit alors qu'il fallait tourner. Enfin bref. Du coup, je pense que je vais faire un peu plus que 15 km parce que je me suis trompée. Je revenais sur mes pas et je recontinuais la main devant. Waouh ! J'ai failli tomber. Bon, les amis, je suis arrivée au sentier 12, donc je viens de finir le 11. Il me reste un sentier, un point et c'est fini. Et je suis encore tombée sur une vue de fou, clairement. Bonjour. Fouh, c'est fini les amis. Ma voiture est juste là. Ouais. Je suis partie d'ici et je suis revenue ici. Ah punaise, ça fait trop du bien de me dire que j'ai fini là. J'ai chaud, j'ai fini mes 15 km en 4 heures. Je suis trop godante. Ah, je suis refaite là. Je suis trop godante. Bon, bah, je suis contente, c'est finito. J'espère que vous avez kiffé faire cette randonnée avec moi. Moi, j'ai kiffé la faire, même si je suis éclatée. Mais ça a fait tellement du bien. Oh. Bon. Et B, c'est fini Topipo. Et B, c'est fini les amis. Je suis bien contente d'être rentrée à la maison, sans vous mentir quand même. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Ça m'a quand même bien mis KO. Ça fait énormément du bien, mais franchement, ça m'a cassé. Ça m'a épuisé clairement. Non, mais là, il faut que j'aille me laver. Je suis dans un état. Ouf. Et je commence à avoir faim en plus. Bon, bref, du coup, je vais m'occuper de mes envies. Je suis très contente d'avoir partagé cette petite randonnée avec vous. Je sens ma baisse d'énergie qui est de plus en plus forte. Et je vous dis du coup à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.